Bonjour à tous. Eh bien, on se retrouve devant la ferme à faire pour finir tout ce qui est les petites finitions. Voilà déjà un début de finition. Alors, je travaille des escaliers, un escalier dans un sens, un escalier dans l'autre, un bloc au milieu. Et alors, je refais la même chose de l'autre côté. Juste avoir une petite fente pour pouvoir regarder à travers. Ici, j'ai fait pareil, mais j'ai décalé. Ici, je me mets derrière le trou. Ici, j'en mets un derrière le tronc et l'autre à côté. Ça garde le même aspect, mais avec cette face-ci visible. Alors, pour ce qui est des deux parties plus grandes sur les côtés, je joue avec des dalles. Une dalle chaque fois qu'un compte. Pour l'instant, pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si je vais laisser ça comme ça. Si j'aime pas tellement, ça fait pas terrible. Voilà. Bon, j'ai fait quelques essais et ce que j'ai retenu, c'est celui-ci. Bon, vous aurez peut-être des autres idées à me donner. Bon, ici, on laisse 6 carreaux avec un tour de mètre oblique de chaque côté. Ici, on travaille avec deux blocs au milieu et des escaliers. Envers des escaliers à l'endroit.
Si on fait pareil. Ici on n'a que un bloc devant, donc on voit les deux faces. Ici on a deux blocs devant, donc on voit trois faces. Bon, ça change un petit peu. Ça change un petit peu le design, mais c'est pas vilain. Maintenant, quand tout sera fini, il y aura peut-être des modifications. Hein. Donc, 6 carreaux, c'est pas facile de faire quelque chose avec des escaliers, parce qu'à partir du moment où on met deux escaliers, ben, directement ça fait un U ou ça fait un U dans l'autre sens et ça donne pas bien. Donc, je préfère avoir une grande vitrine que quelque chose qui est pas beau. Alors, une lampe de redstone sur le pilier. Dans celle-ci, on sait pas mettre de levier derrière. Donc, un bloc en dessous, une touche de redstone, comme ça. Il donne l'électricité au bloc de bois qui donne l'électricité à la lampe de redstone. Maintenant, c'est possible que à l'avenir je fasse tout un circuit qui fera le tour du bâtiment avec des détecteurs de lumière. Ça ne s'allumera que la nuit. Bon, on verra ça plus tard. On va déjà essayer de terminer ça correctement. Alors, on va boucher. On va refaire pareil ici. Le tour. Oui, j'ai plus beaucoup de carreaux, j'ai pratiquement mangé un stack. Rien qu'à faire les tests. Alors, on va mettre la lampe ici. Un bloc de bois et une lampe de reste. Je vais faire ça tous les deux. On va pas faire ça à chaque pilier, autrement ça fera pas joli. Si on en met une ici, il nous en faudra une là. Donc ça ne fonctionne pas. Donc il va en avoir une ici. Une lampe là. Et pour que ça reste symétrique, bon, on va en mettre une ici et une ici.
C'est bien. Sur ces deux piliers là, on n'en met pas parce que tout le rectangle ici, on va essayer de faire une forme, quelque chose de propre. Mais on va essayer de remonter ici pour pouvoir mettre une porte au milieu. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, c'est un nombre pair, donc ça sera deux portes. On va mettre deux portes ici. Et on essaiera de faire le dessin qui passe au-dessus des portes. Une petite vague. Donc on peint les golems. Encore du carreau. Carreau ici. Et comme ça, on va aller voir en bas. Quelque chose de plus propre. De toute façon, je pense que comme la maison sera là, on fera peut-être, on allongera peut-être le circuit pour que on ait une deuxième petite maison ici qui ressemble plus ou moins à celle-ci. Bon, on va faire une tour, je sais pas. On verra ça après, on va déjà se concentrer là-dessus. Ici, c'est assez simple. Thank you.
porte. Commencer par comme ceci. Thank you.
Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous avez bien suivi. Parce que bon, c'est fait un peu à l'essai. Donc, c'est deux fois la même chose. Vous avez deux portes, un escalier comme ça, un escalier comme ça. Au-dessus, on inverse les deux escaliers pour lui laisser un espace. Ça, c'est uniquement au-dessus des deux portes. Après, on essaie de jouer avec les formes. Donc, on a un bloc, un escalier dans ce sens-ci, un escalier dans ce sens-là, un escalier dans le même sens, un bloc au-dessus. Alors, on reprend. Vous avez un bloc, un escalier dans ce sens-ci, un escalier dans l'autre sens, la même chose ici, un bloc au-dessus, un escalier vers le haut, un deuxième escalier vers le haut, un troisième escalier à côté vers le haut aussi. Celui-ci opposé, un bloc, un escalier et un escalier pour que ça lui donne toujours la même symétrie. Et celui-ci, j'avais mis un bloc au départ, mais ça lui laisse un petit peu plus de lumière. Et alors ici, c'est quatre escaliers, mais décalé d'un bloc pour que ça lui donne l'effet de profondeur. Donc ça va être pour les quatre côtés exactement pareil. Alors à côté 6 vitres, de l'autre côté 6 vitres, des blocs de redstone sur les côtés. Et puis la petite lampe. Ça, je vous ai montré, il y a une torche de redstone juste en dessous du bloc de bois. Alors, on va quand même essayer. Doudoudou. Ici, il faudra que je mette des verres. Pas des vitres, essayer de mettre des blocs. Voilà, j'ai été rechercher des vitres blanches. C'est pas très compliqué à fabriquer. Donc vous pouvez vous entraîner, essayer de changer le design ici. Le plus facile, c'est de jouer avec des escaliers. Bon, des escaliers et des blocs. Si vous commencez à jouer avec des dalles, ça devient un petit peu plus complexe. Mais il y a moyen toujours de faire de très belles choses. Fermer ça ici. Oh là, il n'y avait pas besoin, mais c'est pas grave. Pas ce que ça va donner. Ça peut bien donner. Alors pour ce qui est des lampes de redstone, le levier il fait effet sur tous les blocs
qui sont à l'horizontale et à la verticale. Donc ici, il allume celui qui, où il est posé. Il va allumer celui de gauche. Il va allumer celui de droite, celui en bas et celui au-dessus. Je suis pas mécontent, ça donne encore assez bien. Dommage qu'on voit la cobble là-bas derrière. On viendra pratiquement jamais ici. De temps en temps, ça sera juste pour venir voir. Je suis en train de me demander si c'est vraiment nécessaire de mettre des portes. Si on leur met des portes, ils vont les casser. On va voir comment ça va réagir. Mais j'ai l'impression que les zombies vont venir casser les portes. On verra la suite. Ça commence à bien donner. Ici, on va avoir beaucoup plus de place pour vitrer tout ça. Un petit peu comme là-haut. Parce que là, on n'a déjà pas les portes à mettre. On aura déjà un petit peu plus de place pour faire une forme beaucoup plus grande pour les vitres. Ça donne pas mal. J'aime bien. Faudra mettre des petits détails ici pour pas avoir un truc trop plat. Ça sera sûrement des petites barrières là-dessus. On va les faire directement. On va se faire une petite table ici, pas commencer encore à courir partout. Et les barrières, je crois que c'est comme ça. La lumière. Je sais pas ce que vous en pensez.
j'essaye de réfléchir en même temps. Qu'est-ce qu'on peut changer? Mais pour moi, c'est pas mal. S'il y a des choses à modifier, de toute façon, on a toujours le temps de le faire. Donc déjà, je vais recopier ça sur les quatre faces. Et puis après, on s'attaquera au premier étage. Toujours sur une face qu'on copiera quatre fois. Voilà, je vous laisse là-dessus.